Je n'ai jamais su combien de saints pouvaient sortir du nez de quelqu'un. Salut, Lafayette, Louisiane. Laissez le bon temps rouler, parce que vous regardez... Demande Reddit, Canada français. Une compilation de Reddit, faites la main. Quel est le trou le lapin le plus effrayant ou le plus dérangeant que vous ayez connu et pourquoi? La lecture de John Jones. Le spéléologue qui s'est retrouvé coincé la tête en bas dans une étroite crevasse à Nutty Putty Cave en 2009 m'a fait peur. Les sauveteurs sont descendus à ses pieds, lui ont parlé pendant des heures, mais n'ont tout simplement pas pu le faire sortir. Finalement, la grotte a été scellée avec son corps à l'intérieur. Parle pas tout de suite! 50% d'entre vous quittent la vidéo après 40 secondes, juste avant que la vidéo devienne bonne. Restez à l'écoute. Il y a un documentaire appelé The Bridge qui a capturé 23 des 24 suicides du Golden Gate Bridge à San Francisco en 2004. Apparemment, le pont est un site de suicide extrêmement populaire. En 2004, il y avait eu plus de 1200 suicides avec un taux de mortalité de 98%. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment sombre et le documentaire m'a envoyé faire une petite expédition de recherche sur les suicides. Apparemment, les 2% qui ont survécu disent avoir instantanément regretté d'avoir sauté en l'air. Et ça commence à vous faire penser au suicide et à la douleur que ressentent les gens pour franchir cette étape. Et encore, il y a un choc de clarté une fois qu'ils ont fait l'irréversible. Je recherche des photos des personnes qui ont ouvert le sol après avoir chuté de très haut. Je les recherchais surtout par curiosité morbide. Je ne le recommanderais certainement pas à toute personne ayant un estomac faible. Unité 1631. Ce qu'ils ont fait est vraiment dérangeant. Dans d'autres tests, les sujets ont été privés de nourriture et d'eau pour déterminer la durée avant la mort. Placés dans les chambres, à basse pression jusqu'à ce que leurs yeux sortent des orbites. Expérimentés pour déterminer la relation entre la température, les brûlures et la survie humaine. Électrocutés, placés dans les centrifugeuses et filés jusqu'à la mort. Injectés de sang animal, exposés à des doses mortelles de rayons X. Soumis à diverses armes chimiques à l'intérieur des chambres à gaz et injectés avec de l'eau de mer et brûlés ou enterrés vivants. Un gars simple a écrit ses expériences avec l'héroïne. En bref, il voulait l'essayer pour s'amuser et il était sûr qu'il avait assez de volonté pour s'arrêter après ça. Ben, il avait tort. Quelqu'un peut probablement se souvenir du nom du gars ou du post Reddit, c'est assez bien connu, je crois. Les décès sur le mont Everest et combien de corps qui sont toujours là-haut? C'était un trou de lapin wiki dans lequel je suis tombé après avoir écouté l'épisode Case Files sur David Sharp. Lisez non seulement à propos de lui, mais aussi des bottes vertes, de ce couple qui s'est séparé, etc. En raison des températures extrêmement froides, les corps ne se sont pas décomposés, donc ils ont toujours l'air récents, même si cela fait des années ou des décennies. C'est effrayant et triste. Certains corps sont là depuis si longtemps qu'ils sont utilisés comme marqueurs pour les grimpeurs. Ce qui est également triste, c'est que des efforts ont été déployés pour les éliminer, mais cela est extrêmement dangereux en raison de l'altitude, des températures et du sol inégal. Des gens sont morts en tenant de l'affaire dans le passé. Je ne sais pas s'ils ont réussi à réussir depuis ma dernière lecture en 2018. Il y a des vidéos, pas trop graphiques, sur YouTube, de séquences récupérées des plongeurs qui ont enregistré leur dernière plongée. Un cas particulièrement déchirant était un gars qui a plongé pour récupérer le corps d'un ami qui est mort dans une grotte et qui a fini par y mourir aussi. Vous pouvez le voir glisser sur le sol, tâtonnant un couteau, tout en essayant de couper une sorte de corde. La panique s'installe, juste terriblement triste. C'est rien comparé aux histoires de torture et de crimes de guerre réels, mais j'ai entendu toute l'histoire d'un utilisateur de Reddit nommé Jason in Hell.
Pour ceux qui ne la savent pas, c'était la véritable histoire d'un homme qui a posté dans l'air relation sur sa femme le trompant avec un voisin. Jason décide finalement qu'il va quitter sa femme et amener les enfants avec lui, mais la femme a en fait assassiné les enfants alors qu'il était absent au travail. Jason a fait un post suivi sur la gestion de la douleur et du chagrin de ce qui s'est passé, mais il semble faire de son mieux malgré tout ce qui s'est passé. Il y a ce gars sur Facebook, j'aurais aimé pouvoir me souvenir de son nom, mais il a abusé sa poupée gonflable et ils ont des photos ensemble d'eux partout. Je pensais que c'était un compte de troll, mais c'était effrayant. Les dates sur les photos remontaient à des années. Il a montré sa garde-robe de poupées et toutes les possessions qu'il avait et puis il avait plusieurs comptes d'amis de différentes poupées gonflables sur sa page qui est complètement publique. Mais vraiment, la partie la plus étrange pour moi, c'était qu'il vivait dans une ferme au milieu de nulle part. Comme, imaginez si quelqu'un se retrouvait accidentellement là-bas. Bug Chasers, parce que quelqu'un a demandé quel était le trou de lapin le plus effrayant et le plus dérangeant sur l'internet. J'étais rôdeur dans un forum d'automobile pendant de nombreuses années. C'était probablement il y a environ 8 ans. Une fois, quelqu'un a publié un fil de discussion lié à un site web d'assurance automobile qui revendait des voitures accidentées pour récupérer de l'argent. Il y avait toute une catégorie de voitures étiquetées biohazard, et ce sont les voitures qui se retrouvent avec des fluides corporels, des tonnards géants d'avoir été dans un accident, des fusillades au volant avec du sang partout, même des voitures de personnes suicidées avec des cerveaux explosés. Ces enchères d'automobiles ne veulent pas nettoyer ces gâchis afin de vendre la voiture à bas prix. Certaines personnes dans le forum ont même trouvé des articles de presse qui correspondaient au meurtre, à l'accident, etc. dans une voiture particulière. C'était incroyablement effrayant. Mais il est vrai que j'ai passé des heures et des heures à parcourir ces voitures dégoûtantes et tragiques. Le suicide public de R. Bud Dwyer. J'ai écouté Get Your Gun de Marilyn Manson et j'ai découvert qu'il comprenait un extrait audio de ce moment. J'étais curieux et j'ai trouvé une vidéo de lui se tirant une balle dans la bouche avec un pistolet. En fait, c'est toujours disponible sur YouTube. Je n'ai jamais su combien de sang pouvait sortir du nez de quelqu'un. Je ne savais pas comment réagir et j'ai ri. Ce n'était pas du tout drôle, c'était dérangeant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. On pourrait mentionner la disparition de ce vol de la compagnie aérienne Malaysia il y a quelques années. Son itinéraire a été suivi dans l'océan Indien puis perdu. Il n'y a que des spéculations sur ce qui s'est passé à bord. Ou l'histoire du gars qui s'est fait arracher les intestins au bord du train de la piscine. Ou le redditeur qui a amputé sa propre queue et ses gosses dans une chambre d'hôtel avec des photos. Je ne peux pas oublier ces images. Les tueurs en série. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui pouvait conduire quelqu'un dans une telle dépravation. Les gens prennent parfois ma curiosité pour eux comme un fandom. Je les méprise. Ils ont juste piqué ma curiosité. Quelque chose d'essayer de comprendre l'incompréhensible qui le rend si intéressant. Sur le lit de mort de mon père, il a commencé à me parler des horreurs qu'il a rencontrées dans les ghettos occupés par les nazis et de ce que sa famille a enduré. Il avait peur des dentistes toute sa vie et ne m'a jamais dit pourquoi. Quand il était mourant, il m'a dit que sa sœur et lui avaient vu les dents de leur père se faire arracher brutalement alors qu'il était totalement éveillé, sans gel ni analgésique. C'était parce qu'il était sadique et il voulait l'or dans ses dents. Il a pleuré en s'excusant auprès de moi parce que j'ai arrêté cette peur des dentistes. Je l'ai remercié pour le partage et lui a dit que je trouverais un moyen de surmonter. Il est décédé quelques années avant le début de l'Internet, donc l'année suivante ma mise en ligne, j'ai commencé à rechercher et à lire les témoignages des premières mains des victimes de tortures dentaires. J'étais tellement bouleversé, j'ai trouvé un moyen de surmonter d'une manière ou d'une autre de ma peur et j'ai partagé des ressources avec d'autres survivants de l'Holocauste et de la torture. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada Français.
Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau subreddit. Le lien est dans la description de la vidéo. Goya.